Bonjour et bienvenue sur, comme d'habitude, Gaming en compagnie de Dr. Frank pour un nouvel épisode de Bomber Crew. On va se retrouver donc avec notre reporter crew à faire bien sûr notre mission préférée qui consiste à sauver des gens et à poutrer des pilotes de chasse juste à côté de la maison au cas où ça tourne mal. Parce que les mauvais pranks, on n'aime pas trop ça. Et j'avoue que j'ai un tableau des missions qui me fait pas beaucoup de cadeaux parce que toutes les missions sont regroupées au plein centre de la carte de France, c'est pas top. Mais j'ai réussi à me refaire une santé à mon équipage. J'ai même réussi à avoir des gros canons partout. Là, j'ai des canons à bande là à l'avant, un peu partout quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, on rentre en train d'atterrissage. Qu'est-ce qu'on en pense? Ouais, on pense que c'est une bonne idée. Ouais, d'accord. Donc, ok. Il va falloir que je largue donc les fournitures à basse altitude, mais ce n'est pas mon problème immédiat. Et mérite, j'aimerais que tu viennes ici. Bien sûr, c'est la seule chose qui nous intéresse, c'est de poutrer notre ennemi, le chasseur, le méchant. Il est pas très très beaucoup gentil, croyez-moi bien. Qu'il a l'air comme ça, mais qu'en fait c'est pas le cas. Bah après on va voir selon son avion, si on descend, on verra bien. Nettoyer la zone des ennemis qui s'y trouvent. Ah, on veut bien. Ah, il est là. Il est là, notre as. Tu peux te concentrer, concentre-toi sans de la balle incendiaire. Concentre-toi aussi. C'est tout ce que vous avez pour lui. Bird, s'il te plaît, tu te concentres et tu lui balances de la AP. Tu remercies mon petit couvert. Tu me le AP, tu me le Apex, voilà. Hein. Comme ça, là, son blindage qu'il avait, bah c'était avant. Moi, j'aime bien quand ça se passe comme ça. Tu tires, vas-y, balance de l'incendiaire maintenant. Il est mort, c'était bien. On l'a beaucoup aimé, hein. C'était Kaiser von Tussen. Je sais pas si c'est von Tussen. Je sais pas. Ouais, faisons un petit backdash quand même, hein, parce qu'on est parti un peu loin. Radio map, alors toi, je pense qu'il va falloir recharger à un moment donné, ou peut-être pas tout de suite, ça va être bon. Radio man, radio de reconnaissance, s'il te plaît. Très joli les enfants, je suis très fier de ce que vous avez fait. C'est vraiment très beau, c'est une belle façon de tuer son prochain. Je suis très fier. Tu peux recharger aussi également le poste. Même si c'est pas nécessaire, on remérite, tu peux retourner, je pense qu'on va faire quelques petites économies de carburant. Upchurch, tu peux te placer ici. Parfait. On va là. On ouvre les portes et on s'apprête à balancer de la fourniture. Hein. Paf sur le nez du monsieur. Paf sur le nez. Direct. Nickel. T'as trouvé une nouvelle trajectoire, certes, mais nous on veut aller par là. On veut aller par de là. Avez-vous oublié que nous sommes le reporter crew? Nous devons revenir avec une photo. C'est notre devoir, absolu. Personne n'a pris de popo au doigt, hein. Church qui a pris une cartouche paumée visiblement. Bon, c'était une petite cartouche. C'était une cartouchette. Parce que les grosses cartouches, c'est toujours pour Bert. Bert, il aime bien prendre des grosses cartouches. C'est sa passion. Bert, dernier membre vivant hein, de notre escouade. Premier coup. Hein. Avoir quelques petits chasseurs qui se pointent, les abattre aussi. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Vous noterez avec enthousiasme, messieurs, les gens qui s'arrivent droit devant. Oh, on va aller chercher. Hein. Dans des codes de carburant d'ailleurs. Cherche, tu te concentres. Besoin d'XP, cherche. Faut tuer des gens là. T'as pas de tir défensif et surtout ce que j'aimerais c'est que tu débloques l'incendiaire en jouant. Bon, c'est déjà fini. Allez,
Retour maison. Donc nouveau canon débloqué, faut encore patienter pour les blindages coûtent très cher. Je suis content, machine n'a pas été... En termes de système à bord, je pensais avoir été dégradé beaucoup plus que ça. Non, ils ont été plutôt cool là-dessus, on n'a pas trop perdu. Donc ça va, ça va, ça va. On serre les dents, on serre les fesses, mais ça passe. J'ai cru comprendre que t'avais eu un bobo au doigt. Va te soigner. Comme j'aime le dire souvent, va te faire soigner en Angleterre. Va voir la gueule de leur métro, de Damien 16. 16, parce que pas 42. C'est trop, 42. Ça y est, charge, t'as mis ton petit pansement. Attention, ma choupette, hein, faut pas te faire beaucoup au doigt. Hein. Tu dois continuer à faire ton mignon petit travail qui consiste à tuer des gens avec des tonnes de bombes. Chaque jour que Dieu règne, la cruauté absolue. Incroyable, génial. Les choupettes vont tuer des gens. Très bien. Top. Et voilà. Tant que ça monte. Jusqu'à qu'il fasse son crochet. Dès qu'il fait son crochet, on repasse en boost. Attention, on énerve. Hein. Va chercher le détail technique. Hop, c'est bon. Ton abord c'est fait. C'est bon, tu t'alignes. Aligne-toi. Parfait. Coup de boost. C'est plus. Ah, on met le boost. Hein. Nous, on se crache. Hein. On n'a pas le temps. Est un pont de bois. C'est concept. Oh, 25 000 livres. Ça fait très très beaucoup plaisir. Oui. Ok, quittez le compte rendu. Bon, personne n'a passé de niveau, c'est un peu dommage. J'aurais bien aimé qu'un canonnier monte de niveau. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors. Voyons voir tout ce bazar. Donc les tourelles, on est bon. On est très bien. Ici, on ne peut toujours rien changer. Rien de nouveau a été débloqué. Donc on est dans du fuselage. C'est parti. Hein. Le fuselage qui coûte un bras. Alors on veut passer de ça à de ça. 3400 boules. Mais bon, là on a engrangé tellement de sous-sous dans la popoche que voilà, ça va aller. Et on peut même se payer nos petits. Ah, on a plus de place. Oh, je peux pas prendre mon pigeon. Ah non, je veux mon pigeon. C'est un pigeon. Ça prend pas de place, un pigeon, c'est bon. Ah ouais. C'est bon, j'ai quand même le pigeon. Le dérivateur de base, c'est si lourd que ça. Ah ouais, ça éclate un peu. On a quoi en moteur, sinon le M4 blindé. Ah non, blindé, ça va être trop vénère. Est-ce qu'il faudrait pas que je passe un moteur interne en MK5? Excusez-moi. En MK5 standard pour récupérer un petit peu de poids. Ouais, installe-moi celui-là. En attendant qu'on nous propose mieux un jour en moteur, en espérant qu'on nous proposera mieux un jour en moteur. Et donc en survie, on va poser nos dériveurs. Voilà. Hop. Briefing, qu'est-ce qu'on nous propose? Parce qu'on a tué. On a tué un as, il en reste plus beaucoup là, des as, non? Alors, aucune d'entre elles. Ah, putain, je vais y arriver. Hein. Destruction de bunker, machin. Tour à flag. Aucune d'entre elles n'est une mission critique, c'est rigolo en fait. Bien que ce n'est pas drôle. C'est à risque élevé. Je sais pas pourquoi il veut pas me relancer une. C'est risque faible. Ouais. LOL. LOL. Bâtard. LOL. Gros con. LOL. Bien qu'on ait une revanche à prendre sur cette mission là.
On est full équipé. Il n'y a pas d'as dans le coin, hein, donc c'est le moment de se prendre une petite mission un peu énervée. Mais j'ai envie d'aller en mission standard pour espérer de Goldenheim. Faire sauter du bunker sur la ligne Maginot. Nous, on est du genre à aider les Français. Vive la France. On va aller faire sauter des bunkers sur la ligne Maginot. C'est parti. On est chaud. Ok, faire sauter du bunker. Ah oui, alors attendez, on fait sauter du bunker sur l'Imagino, donc c'est bien ça. Upchurch, dis-moi ce qu'on a comme bombe. Ah oui, d'accord, bon, ok, on a une bombe. Très bien, c'est reçu. Je crois que cette bombe-là, on est obligé de la lâcher en. Basse altitude, hein, je crois. Bonne pluie, merci. Merci la gueule, merci. Ça fait vraiment très très beaucoup d'apprécier. Les mecs, c'est concentré quoi, à un moment donné, voilà, vous pouvez tuer des gens. Vous avez pas prévu en fait et c'est pas dans votre intérêt du coup. What, Radioman il s'est déjà fait arracher quoi. Recharge mon ami, tu vas être à sec. Remets-toi, arrête tes. Je vais te faire soigner. Vraiment, je t'en supplie, arrête ça. Voilà, lâche, voilà, ça. Lâche-moi ta munition, t'es mort là. Retourne à ta radio après. C'est le demi-tour. Poste est de retour, tu viens ici. Une petite flotte matinale. L'objectif a été repéré. Non, c'était faux objectif. Ah oui, il va falloir que je prenne en photo en basse altitude. Tout ça, je sais pas si c'est des zones de flak ou quoi. C'est pas fou. Non, on va pas la plaire. On fait un crochet. On fait un petit crochet. Je sais pas. Il y a qu'un seul avion là, je sais pas ça. On passe par là, on fait un crochet. On fait des crochets, on fait des crochets. On se penche, on fait des économies, parfait. Surtout, on évite gentiment les zones de flaque. Hein.
a bombardé. What the... What the... Passe là. Charger tout le temps. Tu fais quoi? Je te demande d'aller là. Redresse, hein. Redresse là-bas, mon petit pote, hein. Redresse, redresse, hein. Fais pas le fou, hein. Toi, t'as perdu un point de vie. Va chercher ton point de vie tout de suite, là. Parce que tu m'agaces. Chasseur ennemi sur le radar. Fais-moi un petit marquage auto. Petite radio de reconnaissance, s'il te plaît, aussi. Church, s'il te plaît, reprends ta place ici. On attend Cartman. Woodbridge. Woodbridge qui met 1000 ans à se mettre en pansement, quoi. Bon, renseignement reçu et ajouté à la carte. Très bien. Pourquoi on est dans une zone de flaque? On ne devrait pas être dans une zone de flaque. Esquivons là cette zone de flaque tout de suite. Tout de suite. On esquive la zone de flaque. Très bien. On s'apprête à y aller. La church. Ta position de photographe. Très bien. Monsieur, tu viens là. S'il te plaît. C'est très bien. On évite un peu de flaque. Pas tout, on l'évite un peu. Et on s'apprête à se mettre genre un pont là-bas. On s'apprête à prendre notre autoclic clair, c'est bon, c'est pris. On tourne par là. Les canaux. Est-ce qu'on peut se pencher à un moment donné? On a besoin d'économiser. Upchurch, j'ai besoin que tu reprennes ton poste de tir tout de suite. Tu te concentres, tu vises, tu louches pas, c'est pas le moment. Ok, formidable. Alors non, surtout pas. On va naviguer tout en personnalisé. Oh, on est un peu énervé. Hein. D'ailleurs, le ciel semblerait qu'il se soit dégagé, monsieur. Si on montait un petit peu. Après tout, il n'y a pas de raison. On est pas trop mal. La radio de reconnaissance va bientôt être rechargée. Le marquage auto a été rechargé. Donc ça, c'est très bien. Personne n'est endommagé. Je vais te demander d'aller recharger ce poste-là. Très bien. Ok. Naviguons à la carte. Carburant, on est comment? Carburant, on est cool, hein. On va pas vite, de toute façon, on se pencher, donc... C'est sûr que c'est cool, comme ça. 56 minutes, voilà. Une éternité. On va pouvoir faire la mission la plus longue de l'histoire de ce jeu. Juste parce qu'on a décidé de contourner toutes les zones de flaque. D'ailleurs, la zone de flaque... elle tape en vide, là. Ça tape en vide, hein. J'aurais dû rester en bas, en fait. Ça ressemble à l'objectif, hein, semblerait-il. Oh, ça y ressemble. T'as rechargé, vieux? T'as rechargé, très bien. Tu vois bien Cartman, hein, y a pas de souci. Tu vois 75% le sol, c'est très bien. Où est notre objet? Allô? Est-ce que tu peux réduire notre vitesse, s'il te plaît? Recharge. Sérieux, mais... Ça va les zones de flaque? Puis c'est bien au milieu.
Je sais plus, mais bon, on peut la lâcher là depuis le milieu. J'espère que oui. J'ai peur de faire une connerie là. Je vous cache pas que la connerie, je la sens venir gros comme une montagne. Hein. Clairement, on va se mettre en bas. On va se mettre en bas, moi je le sens pas si ça. Le sac. Ah, je suis dégoûté, on a merdé cette mission. J'étais su... J'avais un doute que cette bombe fallait lâcher en moyenne altitude et je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, parce que je crois qu'en fait elle explose pas au contact, elle explose en différé. Vas-y, pendant qu'on fait ça. Bon, en tout cas, on sait qu'en carburant, on est bon. C'est déjà ça. Attention, on change, c'est bien. On va recharger tout le monde. Il est pas prêt que tout le monde arrive. Gouda, 3 devant. Bah la ville du Gouda. Hein. Un bon fromage d'histoire. Quand même, hein, tu me fais resserrer. Hein. J'aime pas très très beaucoup ça, monsieur. C'est un petit pack de munitions qui se balade, c'est un jeu de contre-jeu. C'est un ennemi repéré. Bien repéré.
un chasseur seul. Est-ce qu'il marche seul? Voilà, musique de Jean-Jacques. Et vous êtes très fan, et vous n'avez pas le choix. Si vous n'êtes pas fan, bah vous n'êtes pas fan. Enfin, ma boule de ces bons. Je suis dit, elle en a mis un temps là à exploser. Elle a dû exploser à côté cette connasse. Enfin, je suis dégoûté. Non, non, mais attendez, les gars, non, non, il n'y a pas de ça, vous pouvez pas le chercher. Hein. Là, Jean-Michel Branleur, là, vous avez pas beaucoup. Voilà. Non, voilà, s'il faut, je vois les couilles, il faut pas le chercher. On a le temps de voler, là, on a merdé notre mission, on n'aura pas de bonus XP. Voilà, je veux ce coup. Tu viens là, sale con? Ah, il peut pas venir. Hein. On va le chercher. Et ramène ta fraise. C'est bon, ça y est, ça accroche. Allez-y, défoncez-moi ce truc. Amorce le demi-tour. Ah, il y a plein de gens qui arrivent. Cage au tour. Ah, Bert, il est pour toi. Ouais, il était pour toi. Je suis désolé, Bert. C'est vrai que vous tirez bien, Bert. Je suis d'accord avec vous. Bon, les autres, on ira pas les chercher. Ils sont au-dessus du pays, c'est bon. Je vous épargne ça. Allez, accélère. Oh, je suis tellement vénère. J'ai zigzagué sur tout le territoire. J'ai traversé toute la France, d'est en ouest, du nord au sud. Tout ça pour que dalle. C'était génial. Et je pense pas encore assez à regarder le moteur, du coup. C'est la douille. Nous approchons de Londres. S'en fout. On se doute bien là, on va sur l'aérodrome. Tu dors sur la carte ou ça se passe comment? L'autre il a eu le temps de recharger ses AP tranquillement. Trop chaud. Ah, c'est bon, on y retourne. Ouais, mission ratée quoi. Monde de ses morts, comme quoi il faut les lire hein, les débriefs. Hein. Faut lire ce que dit le chef. Ah, guérir les blessures mineures, ça fait plaisir. Ah, esquive des tirs de canon flak. Plongée EMG. Ça, ça fait plaisir. Tout ça, c'est que du bon. C'est que du bon. À échec, donc on a vraiment chiffré 0$ quoi. On nous a rien filé quoi. C'est aller mourir tout simplement. D'accord. Merci. Cool. Du coup la mission n'existe plus de toute façon, donc problème réglé. Les canons flaques de ces morts, mais c'est bien, ça a fait bouger un peu les missions. J'en ai une intermédiaire qui est apparue, réserve de pétrole à Brême. Moi je dis qu'on pourra se tester ça dans un autre épisode à la limite, hein, ou alors je vous refais un épisode quand on a un autre chasseur qui pointe son nez, ou quand une mission critique nous sera proposée. Sur ce, je vous remercie, c'était Knarfunk sur Comme d'habitude Gaming pour Bomber Crew, je vous dis à la prochaine, ciao.